Des hommes à la fontaine, fable et fabuliste. La fontaine, vie d'Ésope le Phrygien. Portrait. J'ai déjà dépassé la longueur ordinaire des préfaces. Cependant, je n'ai pas encore rendu raison de mon ouvrage. L'apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme. Le corps est la fable, l'âme la moralité. Aristote n'admet dans la fable que les animaux, il en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bienséance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabulistes ne l'a gardé, tout au contraire de la moralité, dont aucun ne se dispense. Que s'il m'est arrivé de le faire, ça n'a été que dans les endroits où elle n'a pu entrer avec grâce et où il est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France que ce qui plaît. C'est la grande règle et, pour ainsi dire, la seule. Je n'ai donc pas cru que ce fût un crime de passer par-dessus les anciennes coutumes lorsque je ne pouvais les mettre en usage sans leur faire tort. Du temps d'Ésope, la fable était comptée simplement, la moralité séparée et toujours à la fin. Phèdre est venu, qui ne s'est pas assujetti à cet ordre. Il embellit la narration et transporte quelquefois la moralité de la fin au commencement. Quand il serait nécessaire de lui trouver place, je ne manque à ce précepte que pour en observer un qui n'est pas moins important. C'est Horace qui me le donne. Cet auteur ne veut pas qu'un écrivain s'opiniâtre contre l'incapacité de son esprit, ni contre celle de sa matière. Jamais, à ce qu'il prétend, un homme qui veut réussir n'en vient jusque-là. Il abandonne les choses dont il voit bien qu'il ne saurait faire de bien. C'est ce que j'ai fait à l'égard de quelques moralités du succès desquelles je n'ai pas bien espéré. Il ne reste plus qu'à parler de la vie d'Ésope. Je ne vois presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée. On s'imagine que cet auteur a voulu donner à son héros un caractère et des aventures qui répondissent à ses fables. Cela m'a paru d'abord spécieux, mais j'ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Xanthus et Ésope. On y trouve trop de niaiseries, et qui est le sage à qui de pareilles aventures n'arrivent point? Toute la vie de Socrate n'a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon sentiment, c'est que le caractère que Planude donne à Ésope est semblable à celui que Plutarque lui a donné dans son banquet des sept sages, c'est-à-dire d'un homme subtil et qui ne laisse rien passer. On me dira que le banquet des sept sages est aussi une invention. Il est aisé de douter de tout. Quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi Plutarque aurait voulu imposer à la postérité dans ce traité-là, lui qui fait profession d'être véritable partout ailleurs et de conserver à chacun son caractère. Ce que je puis, et de composer un tissu de mes conjectures, lequel j'intitulerai « Vie d'Ésope ». Quelque vraisemblable que je le rende, on ne s'y assurera pas, et fable pour fable, le lecteur préférera toujours celle de Planude à la mienne. Les deux besaces, fable des hommes. Jadis, Prométhée, ayant façonné les hommes, suspendit à leur cou deux sacs. L'un qui renferme les défauts d'autrui, l'autre leurs propres défauts. Et il plaça par devant le sac des défauts d'autrui, tandis qu'il suspendit l'autre par derrière. Il en est résulté que les hommes voient d'emblée les défauts d'autrui, mais n'aperçoivent pas les leurs. On peut appliquer cette fable au brouillon, qui, aveugle dans ses propres affaires, se mêle de celles qui ne les regardent aucunement. La besace, la fontaine. Jupiter dit un jour « Que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté et des vôtres. Êtes-vous satisfait ?»« Moi ? » dit-il. « Pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait, jusqu'ici, ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'à peine ébauché. Jamais, s'il veut le croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté.
L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taux envers nous, nous nous pardonnons tous, et rien nos autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers tout de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Jean Calvin, commentaire du traité de la clémence de Sénèque. Sénèque à l'empereur Néron sur la clémence. Songe dans cette ville, où la foule, coulant sans discontinuer le long de voies immensément larges, est écrasée chaque fois qu'un obstacle vient retenir son cours, semblable à celui d'un torrent impétueux, où les rues doivent fournir en même temps au public de trois théâtres, où l'on consomme tout ce qu'on cultive dans l'ensemble du monde. Songe quelle solitude, quel désert ce sera si l'on n'y laisse personne sinon ceux qu'un juge sévère aura acquittés. Combien y a-t-il de questeurs qui ne soient pas condamnés par la loi au titre de laquelle ils instruisent? Combien d'accusateurs sont exempts de faute? Et personne peut-être n'accorde plus difficilement pardon que l'homme qui, bien souvent, a mérité de le réclamer. Calvin, il y a un genre d'homme qui devrait être purgé de tout vice, et ce sont bien sûr ceux qui président aux mœurs et qui redressent les vices d'autrui. Pourtant, les hommes de cette espèce sont des juges on ne peut plus injustes quand il s'agit de nous, mais équitables quand il s'agit d'eux-mêmes. Et il arrive, je ne sais comment, qu'ils s'autorisent aisément ce qu'ils ne permettent à autrui qu'avec peine ou qu'ils interdisent tout à fait. Sénèque, dans De la colère, écrit « Les défauts d'autrui sont sous nos yeux et nous tournons le dos aux nôtres. L'homme qui ne refuse rien à son luxe ne pardonne rien à celui d'autrui. Le tyran s'emporte contre le meurtrier et le sacrilège punit les vols. Une grande partie des hommes s'emporte contre les crimes, mais non contre les criminels. Qui êtes-vous, monsieur de La Fontaine ? Racine, lettre à son ami La Fontaine. 6 juillet 1662. Votre lettre m'a fait un grand bien. Et je passerai assez doucement mon temps si j'en recevais souvent de pareils. Je ne sache rien qui me puisse mieux consoler de mon éloignement de Paris. Je m'imagine même être au milieu du Parnasse, tant vous décrivez agréablement tout ce qui s'y passe de plus mémorable. Mais je m'en trouve fort éloigné, et c'est se moquer de moi que de me porter, comme vous faites, à y retourner. Je n'y ai pas assez de voyages pour en retenir le chemin. Et ne m'en souvenant plus, qui pourrait m'y remettre en ce pays-ci? J'aurais beau invoquer les muses, elles sont trop loin pour m'entendre. Elles sont toujours occupées auprès de vous autres, messieurs de Paris. Il arrive rarement qu'elles viennent dans les provinces. Ne croyez pas pour cela que les provinces manquent de poètes. Elles en ont en abondance, mais que ces muses sont différentes des autres. Il est vrai qu'elles leur sont égales en nombre, et elles se vantent même d'être presque aussi anciennes. Au moins sont-elles depuis longtemps en possession de provinces. Vous êtes peut-être en peine de savoir qui elles sont. Vous n'avez qu'à tenir qu'à vous souvenir des 9 filles de Pierus. Leur histoire est connue au Parnasse, d'autant que les muses prirent leur nom après les avoir vaincues, comme les Romains prenaient les noms des pays qu'ils avaient conquis. Ces filles étaient savantes, coquettes et bien-disantes, au reste fort suffisantes. Elles furent si hautaines que de disputer le prix aux muses qui sont les reines des arts et des beaux esprits. Mais il leur coûta bien cher d'avoir été si hardies. Les filles de Jupiter les firent devenir pies.
être agace leur parut une fort vilaine chose, et pas une ne se plut à cette métamorphose. Toutefois, cette figure avait grande liaison avec leur démangeaison de parler outre mesure. Elles partirent de là, battant les ailes de rage et craignant outre cela qu'on ne les retint en cage. Ces oiseaux, plus importuns, mille fois que les chouettes sont cause que les poètes se sont rendus si communs. Dessus les bords des étangs, moins de grenouilles s'amassent et moins de corbeaux croassent, présageant le mauvais temps. Tous ces petits avortons jasent comme leur maîtresse, et la plupart sont larrons comme elles sont larronnesses. Vous savez que toute pie dérobe fort volontiers, celle-ci, comme harpille, pille les livres entiers. On dit même qu'à Paris, ces fausses muses font rage, et force menus esprits se font à leur badinage. Pour réprimer leur audace, les muses ont des chasseurs qui, sous le nom de censeurs, leur donnent souvent la chasse. Lorsqu'elles sont attrapées, les ailes leur sont coupées et leurs larcins confisqués. Et pour finir cette histoire, tels oiseaux sont relégués de la lérine de Loire. Ces ouf furetières relèguent leur général Galimatia, et il est bien juste qu'elles lui tiennent compagnie. Mais je ne songe pas que vous me condamnerez peut-être à y demeurer comme elle, puisque je m'y suis transporté. En effet, j'ai bien peur que ceci n'approche fort de leur style, et que vous n'y reconnaissiez plutôt le caquet importun des pies que l'agréable facilité des muses. Je vous prie de me renvoyer cette bagatelle des bains de Vénus. Ayez la bonté de demander ce qu'il vous en semble. Jusque-là, je suspends mon jugement. Je n'ose rien croire de bon ou mauvais. Demandez, je fais la même prière à votre académie de Château-Thierry, surtout à Mademoiselle de La Fontaine. Je lui demande aucune grâce pour mes ouvrages, qu'elle les traite rigoureusement, mais qu'elle me fasse au moins celle d'agréer mes respects et mes soumissions. Alexandre Dumas, le vicomte de Bragelonne. La Fontaine, personnage de roman, ou comment Jean de La Fontaine fit son premier conte. Nous retournons à Saint-Mandé, où le surintendant Fouquet reçoit, selon son habitude, sa société choisie d'épicuriens. Depuis quelque temps, le maître a été rudement éprouvé. Chacun se ressent au logis de la détresse du ministre. Plus de grandes et folles réunions. La finance a été un prétexte pour Fouquet, et jamais, comme le dit spirituellement Gourville, prétexte n'a été plus fallacieux, de finance, pas loin. Monsieur Vatel s'ingénie à soutenir la réputation de la maison. Cependant, les jardiniers qui alimentent les offices se plaignent d'un retard ruineux. Les expéditionnaires de vin d'Espagne envoient fréquemment des mandats que nul ne paie. Les pêcheurs que le surintendant engage sur les côtes de Normandie supputent que, s'ils étaient remboursés, la rentrée de la somme leur permettrait de se retirer à terre. Cependant, pour le jour de réception ordinaire, les amis de Fouquet se présentent plus nombreux que de coutume. Quand tous les convives sont réunis, Gourville va droit à Pélisson, le tire de sa rêverie, et l'amène au milieu du salon dont il a fermé les portes. Eh bien, quoi de nouveau ? J'ai emprunté 25 000 livres à ma tante. Les voici en bon de caisse. Bien, répondit Gourville, il ne manque plus que 195 000 livres pour le premier paiement. Le paiement de quoi ? Dit La Fontaine. Voilà encore mon distrait, dit Gourville. Quoi ? C'est vous qui avez appris que la petite terre de Corbeil allait être vendue par un créancier de M. Fouquet. C'est vous qui avez proposé la cotisation de tous les amis d'Épicure. C'est vous qui avez dit que vous feriez vendre un coin de votre maison de Château-Thierry pour fournir votre contingent, et vous venez dire aujourd'hui le paiement de quoi ? Non mais, vous apportez cet obol prix du coin de terre vendu ? Vendu ? Non. Vous n'avez pas vendu votre clos ? Demanda Gourville étonné, car il connaissait le désintéressement du poète. Ma femme n'a pas voulu, répondit ce dernier. Voilà tout ce que vous avez apporté ? Oh, non pas. J'ai une excellente idée. Avez-vous remarqué qu'il se fait en France beaucoup de poésie badine et que, poursuivit La Fontaine, il ne s'en imprime que fort peu ? Les lois sont dures, c'est vrai. Eh bien, marchandise rare est une marchandise chère, je pensais. C'est pourquoi je me suis mise à composer un petit poème extrêmement licencieux. Oh, mon cher poète. Extrêmement cynique. J'y ai mis, continua froidement La Fontaine, tout ce que j'ai pu trouver de mots galants.
et j'ai vendu 800 livres la première édition, s'écria La Fontaine en se frottant les mains. Les livres de piété s'achètent moitié moins. Et il mit en effet son offrande dans les mains du trésorier des Épicuriens, puis ce fut au tour de Loré qui donna 150 livres, les autres s'épuisèrent d'eux-mêmes, il eut compte fait 40 000 livres dans la scarcelle. On faisait encore tinter les écus quand le surintendant entra, ou plutôt se glissa dans la salle. Il avait tout entendu. Fouquet serra la main de La Fontaine avec une charmante effusion. « Béni soit l'idée si elle m'apporte un ou deux millions. Mon cher poète, lui dit-il, faites-nous sans autre compte, non seulement pour les 80 pistoles que chacun de nous rapportera, mais encore pour enrichir notre langue de 100 autres chefs-d'œuvre. Un demi-million, grommela Pélisson, par Dieu. Je connais une fable indienne. Contez-la moi, dit La Fontaine. Je dois la savoir aussi. La tortue avait une carapace. Elle se réfugia là-dedans quand ses ennemis la menaçaient. Un jour, quelqu'un lui dit « Vous avez bien chaud dans cette maison-là et vous êtes bien empêché de monter en grâce. Voilà la couleuvre qui vous donnera 1,5 million de votre caille. » « Après ?» fit La Fontaine, intéressée par l'apologue, bien plus que par la moralité. La tortue vendit sa carapace et resta nue. Un vautour la vit. Il avait faim. Il lui brisa les reins d'un coup de bec et la dévora. La Fontaine prit la moralité au sérieux. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Émile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont, car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants, sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse, que, séduit par le mensonge, il laisse échapper la vérité, et que ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter. Les fables peuvent instruire les hommes, mais il faut dire la vérité nue aux enfants. Sinon, qu'on la couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de le lever. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants. Et il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pire. Car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Ce sont encore là, direz-vous, des paradoxes. Soit. Mais voyons si ce sont des vérités. Je dis qu'un enfant n'entend point les fables. Parce que, quelque effort qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on en veut tirer force d'y faire entrer des idées qu'il ne peut saisir. Et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir, en sorte qu'on achète l'agrément aux dépens de la clarté. Sans citer cette multitude de fables qui n'ont rien d'intelligible ni d'utile pour les enfants et qu'on leur fait indiscrètement apprendre avec les autres parce qu'elles s'y trouvent mêlées, bornons-nous à celles que l'auteur semble avoir faites spécialement pour eux. Je ne connais dans tout le recueil de La Fontaine que 5 ou 6 fables où brille éminemment la naïveté puérile. De ces 5 ou 6, je prends pour exemple la première de toutes, parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge, celle que les enfants saisissent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir, enfin, celle que pour cela même l'auteur a mise en préférence à la tête de son livre. En lui supposant réellement l'objet d'être entendu des enfants, de leur plaire et de les instruire, cette fable est assurément son chef-d'œuvre. Qu'on me permette donc de la suivre et de l'examiner en peu de mots. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché. Maître, que signifie ce mot en lui-même? Que signifie-t-il au-devant d'un nom propre? Quel sens a-t-il dans cette occasion? Qu'est-ce que c'est qu'un corbeau? Et qu'est-ce que c'est qu'un arbre perché? On ne dit pas « sur un arbre perché », on dit « perché sur un arbre ». Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie. Il faut dire ce que c'est que prose et ce que c'est que vers. Tenait en son bec un fromage. Quel fromage? Était-il de Suisse, de Brie ou de Hollande? Si l'enfant n'a point vu de corbeau, que gagnez-vous à lui en parler? S'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent dans leur bec un fromage? Faisons toujours les images d'après nature. Maître renard
par l'odeur léchée. Encore un maître, mais pour celui-ci, c'est un bon titre. Il est maître passé dans les tours de son métier. Il faut dire que ce qu'est un renard est distinguer son vrai naturel du caractère de convention qu'il a dans les fables. Alléché, alléché. Ce mot n'est pas usité. Il le faut expliquer. Il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en vers. L'enfant demandera pourquoi l'on en parle autrement en vers qu'en prose. Que lui répondrez-vous? Alléché par l'odeur du fromage. Ce fromage, tenu par un corbeau perché sur un arbre, devait avoir beaucoup d'odeur pour être senti par le renard dans un taillis ou dans son terrier. Et c'est ainsi que vous exercez votre élève à cet esprit de critique judicieuse qui ne s'en laisse imposer qu'à bonnes enseignes et sait discerner la vérité du mensonge dans les narrations d'autrui? Lui teint à peu près ce langage. Ce langage. Les renards parlent donc. Ils parlent donc la même langue que les corbeaux. Sage précepteur, prends garde à toi, pèse bien ta réponse avant de la faire, peu importe plus que tu es que tu n'as pensé. Et bonjour, monsieur du corbeau. Monsieur, titre que l'enfant voit tourner en dérision, même avant qu'il sache que c'est un titre d'honneur. Ceux qui disent monsieur du corbeau ont bien d'autres affaires avant que d'avoir expliqué ce but. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Cheville, redondance inutile. L'enfant, voyons répéter la même chose en d'autres termes, apprend à parler lâchement. Si vous dites que cette redondance est un art de l'auteur, qu'elle entre dans le dessein du renard qui veut paraître multiplier les éloges avec des paroles, cette excuse sera bonne pour moi, mais non pas pour mon élève. Sans mentir, si votre ramage... On ment donc, quelquefois? Où en sera l'enfant si vous lui apprenez que le renard ne dit « sans mentir » que parce qu'il ment? Se rapporte à votre plumage... Que signifie ce mot? Apprenez à l'enfant à comparer des qualités aussi différentes que la voix et le plumage. Vous verrez comme il vous entendra. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Phénix? Qu'est-ce qu'un phénix? Nous voici tout à coup jetés dans la menteuse antiquité, presque dans la mythologie. Les hôtes de ces bois. Quel discours figuré! Le flatteur ennoblit son langage et lui donne plus de dignité pour le rendre plus séduisant. Un enfant entendra-t-il cette finesse? Sait-il seulement, peut-il savoir ce qu'est un style noble et un style bas? À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie. Il faut avoir éprouvé des passions bien vives pour sentir cette expression proverbiale. Et pour montrer sa belle voix... N'oubliez pas que pour entendre ce vers et toute la fable, l'enfant doit savoir ce que c'est que la belle voix du corbeau. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ce vers est admirable. L'harmonie seule en fait image. Je vois un grand vilain bec ouvert, j'entends tomber le fromage à travers les branches, mais ces sortes de beautés sont perdues pour les enfants. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur... » Bon, et voilà donc la beauté transformée en bêtise. Assurément, on ne perd pas de temps pour instruire les enfants. Apprenez que tout flatteur... Maxime générale, nous n'y sommes plus. Vite aux dépens de celui qui l'écoute. Jamais enfant ne disant d'entendre ce vers-là. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ceci s'entend. Et la pensée est très bonne. Cependant, il y aura encore bien peu d'enfants qui sachent comparer une leçon à un fromage et qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie, que de finesse pour les enfants. Le corbeau, honteux et confus... Autre pléonasme, mais celui-ci est inexcusable. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Quel est le sou de maître qui ose expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un serment? Voilà bien des détails, bien moins cependant qu'il n'en faudrait pour analyser toutes les idées de cette fable et les réduire aux idées simples et élémentaires dont chacune d'elles est composée. Mais qui est-ce qui croit avoir besoin de cette analyse pour se faire entendre à la jeunesse? Nul ne nous est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant. Composons, monsieur de La Fontaine. Je promets quant à moi de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, car j'espère ne pas me tromper sur leur objet. Et pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule, jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne comprendra pas le cadre, que dans celles qu'il pourra comprendre, il ne prendra jamais le change, et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il
ne se formera pas sur le flot. Nicolas de Condorcet, lettre à Madame Sullard, octobre 1773. Il y a longtemps que je ne vous avais écrit, que je ne vous avais parlé de la douceur de notre amitié, de la bonté de votre âme qui ne s'altère point. Que ce que vous me mandez de Saint-Cloud est charmant de votre part. Si j'avais été à vos côtés, comme j'en aurais appliqué à d'autres, à toute cette multitude, comme j'aurais dit, peuple lâche, en effet, est né pour l'esclavage. Quant à votre exclamation, je vous renvoie à la fable de La Fontaine, qui s'appelle « Le mouton, la chèvre et le cochon ». Votre exclamation est absolument pillée du discours que leur faisait le charretier. Et moi, je suis de l'avis du cochon. Une chèvre, un mouton et un cochon gras, montés sur un même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre, à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Don Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchers à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens s'étonnaient qu'ils crient au secours. Ils ne voyaient nul mal à craindre. Le charton dit au porc : qu'as-tu tant à te plaindre ? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi ? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient t'apprendre à vivre, ou du moins à te taire. Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul mot ? Il est sage. Il est un sot, repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier, et cette personne honnête crierait tout au du haut de sa tête. Il pense qu'on les veut seulement décharger, la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison. Mais quant à moi, qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu, mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Éloge de Blondel. Si l'on pouvait faire qu'il n'y eût pas de méchant, la morale qui empêche de faire le mal serait suffisante. Mais puisqu'on ne peut empêcher qu'il y ait des méchants, il faut que les bons agissent. Et toute la morale qui tend à les faire rester dans l'inaction devient dangereuse pour la société. Voilà pourquoi une morale austère, minutieuse, qui en détruisant les passions détruit l'activité, me paraît mauvaise. De tous les écrivains du siècle de Louis XIV, La Fontaine est le seul qui ait senti combien les passions pouvaient être utiles. Son instinct a devancé la philosophie du siècle suivant. Voyez la fable du philosophe scythe et du jardinier. Un philosophe austère est né dans la Scythie, se proposant de suivre une plus douce vie, voyagea chez les Grecs et vit dans certains lieux un sage assez semblable au vieillard de Virgile. Homme égalant les rois, homme approchant des dieux. Et comme ces derniers, satisfait et tranquille. Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Le scythe l'y trouva qui la serpe à la main de ses arbres à fruits retranchés d'inutiles, ébranchés, émondés, ôtés, ceci, cela. Corrigeant partout la nature, excessive à payer ses soins avec usure, le scythe alors lui demanda : pourquoi cette ruine ? Était-il d'homme sage de mutiler ainsi ces pauvres habitants? Quittez-moi votre serpe, instrument du dommage. Laissez agir la faute du temps. Ils iront assez tôt border le noir rivage. J'ôte le superflu, dit l'autre, et l'abattant. Le reste en profite d'autant. Le scythe, retourné dans sa triste demeure, prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure. Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis un universel abattis. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, il tronque son verger contre toute raison, sans observer temps ni saison, lune ni vieille ni nouvelle, tout languit et se meurt.
Ce site exprime bien un indiscret stoïcien. Celui-ci retranche de l'âme, désir et passion, le bon et le mauvais, jusqu'au plus innocent souhait. Contre de tels gens, quant à moi, je réclame. Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort. Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort. Corneille, Molière, La Fontaine, Racine, qui ont surpassé les anciens en tant de choses, étaient encore vivants. Et les grands hommes ne sont jamais à leur véritable place dans la postérité. Surtout si on ne pouvait opposer aux élateurs de l'Antiquité cet homme illustre pour qui, seul, assemblable et à ses enfants du ciel, adoré dans les temps héroïques, uni à la gloire d'être un poète sublime, la gloire bien plus touchante d'être compté parmi les génies bienfaiteurs de l'humanité. Marceline Desbordes-Balmore, lettre à son frère Félix. Bruxelles, le 17 janvier 1819. Mon ami, ta lettre est venue à propos pour me tranquilliser. Je ne comprenais pas d'abord ton silence et une phrase de la lettre d'Eugénie me tourmentait malgré moi. Elle disait « Je dois renoncer pour longtemps au bonheur de le voir ». Je t'avoue que je n'ai pas été la maîtresse d'une impression de douleur, vague à la vérité, mais enfin j'avais besoin d'une de tes lettres pour être tranquille. Et je t'embrasse de bon cœur pour me l'avoir écrite. Après cela, mon cher Félix, je vais te dire qu'il paraît bien certain que nous passerons à Paris, vers Pâques. Pour aller où, nous n'en savons rien encore. Mais Dieu nous aidera. Mais nous n'avons pu tenir contre l'ennui triste de ce pays. Que ma sœur ou toi me disent à quelle distance de Saint-Rémy est au juste de Paris. Vous êtes bien heureux, mes enfants, d'être ainsi réunis. Il y a bien longtemps que je n'ai été de la partie, et mon ami Valmore, qui le désire autant que moi, ne ferait qu'embellir une telle réunion. Le cœur m'en bat. Mon cher Félix, dis à Eugénie que j'ai été bien charmée de l'écriture de Camille. Qu'elle lui fasse faire pour son orthographe ce que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire copier, beaucoup copier. Des livres imprimés. Cette méthode est excellente quand on ne peut avoir de maître, et cela vaut d'ailleurs presque autant qu'elle choisisse deux livres pour cet usage. Télémaque de Fénelon, dont le style est si pur, si persuasif et si clair, qu'il rendrait bon un méchant. Et les fables de La Fontaine, qui renferment ce que la poésie a de plus délicieux, et qui sont d'un genre si naïf et si gai qu'on voudrait avoir l'humeur moulée dessus. Ce petit travail amusera Camille et l'instruira. Recommande bien à Eugénie de ne lui laisser lire aucun roman. Je veux que cet aimable enfant soit gai. J'ai prié mon oncle d'envoyer à Eugénie un exemplaire de quelques élégies qui viennent d'être imprimées. Je voudrais bien qu'il en joigne un pour toi, mon ami, si cela peut te faire quelque plaisir. Il y en a de si tristes que vous me croirez voir en les lisant. Le dessin si joli de mon oncle est à la tête du livre. Adieu. Je vous embrasse tous comme si j'étais là. Demande un peu à Camille si elle serait contente de voir sa petite marraine. Au revoir donc, enfin, à toi pour la vie, ta sœur et ton amie, Madame d'Ève Valmore. L'hirondelle et le rossignol, cherchez au bord de la rive une feuille fugitive où sont gravés mes malheurs. Un ami de la nature voulut les y peindre en vers. Son âme éloquente et pure puise au fond de ma blessure des leçons pour l'univers. On les retiendra sans peine, son nom sera leur appui. L'écho partout le promène, je crois que c'est La Fontaine, car il écrit comme lui. Abbé Lemire, journal. 12 mai 1897. Bossuet. La Fontaine et généralement les hommes du XVIIe siècle puisaient moins et demeuraient mieux dans cette note humaine que notre éducation classique a imprimée à toutes les générations modernes. Les pères de l'Église parlaient le même langage. Lorsqu'il y avait tant à expier dans un monde corrompu, ils se contentaient, en face des désastres et des catastrophes, de déplorer la vanité, le néant de l'homme dans la vie présente, et ils relevaient la grandeur, la valeur de l'homme dans la vie future. Je relis l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. J'y trouve le néant de l'homme du côté du corps et des biens terrestres.
sa grandeur du côté du ciel. Quant à l'expiation, il fallait la présenter comme une loi sociale universelle. Leur expiation n'a pas été une expiation française et nationale, mais une expiation humaine. Je reviens avant la fontaine. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits quant aux volontés souveraines de celui qui fit tout et rien qu'avec dessein, qui laissait que lui seul? Comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? Journal, mai 1918. Je lis pour passer le temps et un peu plus loin, je copie des extraits de ce que je lis. J'avais sur ma table la Bible, la fontaine et un atlas. Quand je ne pouvais lire, je regardais les cartes. J'ai lu tout la fontaine. La fontaine, c'est l'humanité dans la nature. La Bible, c'est la divinité dans l'humanité. Je lis la fontaine. Je remarque les fables qui s'appliquent à la situation actuelle. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Et cette belle leçon faite à tous les réfugiés par le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils du roi, tous réduits au sort de Bélisaire, se consultant au bord d'une fontaine, et le pâtre les conviant à pourvoir aux communs besoins, le marchand promettant de donner des leçons d'arithmétique, le noble de blason, le fils du roi de politique, mais en attendant, il faut vivre. Et le pâtre, allant dans le bois pour couper des fagots, dont la vente empêche le long jeûne, et prouvant par là que la main est le plus sûr et le plus prompt secours. Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils du roi. Quatre chercheurs de Nouveau Monde, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, réduits au sort de Bélisaire, demandaient aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère, de raconter quel sort les avait assemblés. Quoique sous divers points, tous quatre, ils fussent nés, c'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là, le conseil se tint entre les pauvres gens. Le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir aux communs besoins. La plante, ajouta-t-il, guérit-elle son homme? Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à moi. Un pâtre ainsi parlait. Ainsi parlait, croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison? Et que de tout berger comme de tout mouton, les connaissances soient bornées. L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les trois échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique. Attends par moi, dit-il, j'en donnerai le sou. J'enseignerai la politique, reprit le fils de roi. Le noble poursuivit. Moi, je sais le blason. J'en veux tenir école. Comme si de devers l'Inde, on eut dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit « Ami, vous parlez bien, mais quoi? Le mois à 30 jours, jusqu'à cette échéance, jeûnerons-nous par votre foi? Vous me donnez une espérance, belle mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain? Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui? Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est courte là-dessus. Ma main y plaira. » À ces mots, le pâtre s'en va. Dans un bois, il fit des fagots, dont la vente, pendant cette journée et pendant la suivante, empêcha qu'un long jeûne, à la fin, ne fit tant qu'ils allassent là-bas exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours. Et grâce au don de la nature, la main est le plus sûr et le plus prompt des secours. Journal, 2 septembre 1918, lors d'un voyage en Bretagne. Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, voulez-vous de l'argent, ô mesdames les eaux? Je cherche d'instinct sur la roche le berger de la fontaine amenant des moutons sur les herbes marines. Le berger et la mer. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin,
se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage, son maître fut réduit à garder les brebis, non plus en berger chef comme il l'était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis, ce fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Voulez-vous de l'argent, ô mesdames les eaux ? » dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » »« Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Paul Claudel, mon pays. Nul doute que le fabuliste qui était en même temps maître des eaux et forêts ne soit venu quelquefois à Villeneuve. Il paraît même que son visage décore le coin d'un tableau représentant l'Assomption, dont Pintrel a fait don à l'église paroissiale et qu'on peut encore admirer avant que l'humidité et les dégâts d'une restauration inintelligente aient achevé de le détruire. Puisque je parle des gloires littéraires de la région, je ne saurais omettre d'évoquer, à côté du nom de La Fontaine, celui de Jean Racine, natif de La Ferté-Milon, celui du bon poète, chantre de la Sainte Vierge, Gautier de Coincy, et celui d'Alexandre Dumas, père, citoyen de Villers-Cotterêts, et qui garda toujours avec son berceau des liens dont témoignent ses impayables souvenirs. Accompagnement. La mémoire procède par abréviation pour se reconnaître parmi ses dossiers. Elle choisit plus ou moins arbitrairement un signe pour se rappeler un ensemble. Ce signe n'est pas forcément un mot ou une formule. Souvent, il s'agit d'une simple sensation. Les poètes eux-mêmes, souvent, remontent à notre conscience sous la forme d'un jugement que sous celle d'un tableau ou d'une émanation colorée. Racine, par exemple, c'est ce manteau d'or des moissons que borde somptueusement le velours bleu de la forêt royale. La Fontaine, c'est ce ton de cuir rosé du vin de Syrie. La Martine est bleue, ou plutôt bleuâtre, de ce bleu de la brume qui brouille les formes et marie les lignes avec la distance. Quant à Paul Verlaine, choisissant dans son œuvre les aspects qui seuls m'intéressent, il me semble que ce ne serait pas si mal de l'appeler le fils de l'ardoise, toujours plus sombre et humide que la pluie. Méditation sur une paire de chaussures. C'est godasse, à la vérité, si je me trompe, qui sera le terme correct. Les Chinois ont remarqué que les objets usuels, longuement employés par un même maître, ont pris une espèce de personnalité, un visage propre. J'allais presque dire une âme. Et le folklore de toutes les nations est rempli de ces êtres plus humains que l'homme, puisque c'est à l'homme seul qu'ils doivent leur existence, et qui, à son contact éveillé, ont pris peu à peu une espèce de volonté latente. Qui se souvient dans ses contes d'Andersen de ces histoires de manches à balai et du sapin Noël ? Prenez deux paires de souliers chez un marchand, et voici dans leur carton, exactement semblables. Mais quelques semaines, quelques mois après, retrouvez-les, si leur maître du moins les a loyalement employés. Quelle différence ! Quelle physionomie particulière elles ont prise ! Quelles histoires originales elles racontent ! Quels habitants les ont intérieurement pressés de souffrance et de leur passion ! De quels chemins divergents demeurent-elles les vestiges et les témoins ? Les souliers en savent bien d'autres, et pas seulement de lugubres. Que de choses ils pourraient nous raconter
quand ils tiennent conciliabule dans un de ces caravansérails. À quels étranges périples un pied gauche aventureux n'a-t-il pas entraîné un pied droit récalcitrant ? Je chemine avec effroi dans les ténèbres à la suite d'un serviteur taciturne qui allume de temps à autre pour me guider un flambeau parcimonieux. Un sol mou ne rend sous mes pieds aucun bruit. De longs corridors devant moi prolongent une perspective sépulcrale. Mais c'est du réduit central que j'aurais dû parler tout d'abord, de la porte étroite, pareille à cette fissure dans le mur de Jérusalem, que l'on appelait le jas de l'aiguille, si rétréci que le chameau pour y pénétrer devait s'agenouiller pendant qu'on le dépouillait de son chargement. Déjà, l'antichambre m'avait rempli d'un sentiment de révérence et de péril. Elle était occupée par deux hautes vitrines entièrement remplies de haut en bas de vieilles sarates. Je me rappelais ces parvis de mosquées ou de temples païens que décorent en fil interminable de chaussures des fidèles. Devais-je sacrifier les miennes ? Ou s'agissait-il de ce menaçant apologue de la fontaine où le renard, invité par le lion malade, voit bien les traces qui se dirigent vers l'antre, mais non pas celles qui en reviennent. Trop tard pour y réfléchir. De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade envoya Jean le visiter, sous promesse de bien traiter. Les députés, eux, et leur suite, foi de lion, très bien écrit. Bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute, de chaque espèce on lui débute. Les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas emprunts sur la poussière par ceux qui s'en vont faire au malade de leur cour, tous, sans exception, regardent sa tanière. Pas une marque de retour. Cela nous met en méfiance. Que Sa Majesté nous dispense, grand merci de son passeport, je le crois bon, mais dans cet antre, je vois bien comme l'on entre et ne vois pas comme on en sort. Marguerite Yourcenar, quoi l'éternité ? Décor de son enfance. Dans le château familial du Mont-Noir. Le centre du Mont-Noir, ce médiocre bâtiment disparu dont je retrouve en pensée chaque chambre, n'était ni le salon orné d'une peinture du vice et la vertu, d'après Luini, rapportée d'Italie par mon grand-père, ni la chambre à six fenêtres de ma tourelle avec son pôle d'émail illustrant les fables de la fontaine, et que je n'aimais pas non plus que ces fables, parce que les animaux me semblaient trop pareils des hommes. Les yeux ouverts, entretien avec Mathieu Gallet, 1980. Dans mon cas, j'ai plutôt connu l'enthousiasme naïf de la jeunesse pour la poésie du XVIIe siècle et celle de Racine, moins La Fontaine. C'est beaucoup plus tard que j'ai senti la beauté rythmique du vers de La Fontaine. La Fontaine, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour la Kérou, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le secours d'une mourante vie. Nul même excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,
J'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Une offense. Mais il m'est même arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce et sans péché, non, non. Leur fit seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne, à son tour, vint et dit. J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant, je tendis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais ni le droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, cria Haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien savoir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.